C'est difficile qu'on ait la paix présentement en Ituri. Les Wanyagwisha entrent là-bas jour et nuit. Et puis ils ont des armes. J'avais dénoncé deux fois ces problèmes-là. Ça risque de créer des problèmes dans les jours à venir. C'est ce que j'avais dit. Je me souviens, deux fois j'ai parlé de cela. Mais qu'est-ce que les autorités m'ont répondu? Honorable Assamba, laissez ces problèmes-là. Ça, c'est un problème de niveau des Nations Unies. C'était ma première fois d'apprendre qu'il y a des problèmes qui sont traités dans le niveau des Nations Unies. Le problème de l'Ituri qui est traité dans le niveau des Nations Unies, moi, je ne savais pas. C'est-à-dire, même les autorités de la province sont bloquées quelque part. Si les autres autorités de la province sont bloquées quelque part, à combien plus forte raison, nous, les honorables députés, espérer à la paix présentement à l'Ituri, c'est quelque chose très, très difficile. La grande responsabilité, c'est au président de la République. Le président de la République trompe beaucoup. Ouais. Le chef de l'État se permet d'aller à Tchad là-bas pour aller enterrer Idriss Déby, alors qu'ici à Ituri, on a égorgé plus de 15 personnes ici. À Beni, on a égorgé beaucoup de personnes. Est-ce que moi, je commence à douter si le chef de l'État a vraiment le souci de la population itourienne. Il a promis les cantonnements, rien. Il a promis les désarmements, rien. Il a promis beaucoup de choses, rien. Il avait dit qu'il viendrait rester ici, rien. Tout ce qu'il promet, il ne le fait pas. Les jours que le président de la République viendra ici, je vais le dire à face comme ça. Il n'y aura pas la paix, mes chers frères, mes chers sœurs. Donc, nous devons prier. Moi, j'ai compris en disant que nous devons prier. Prions seulement. Mettons confiance à Dieu. C'est Dieu seulement qui va nous donner la paix. Parce que ces militaires-là, ces chefs de l'État-là, ces membres des comités de sécurité-là, à qui nous croyons, ils ne nous aident pas.